Chaque année, la Fête de la Nature propose une thématique fédératrice autour d'un projet pour la préparation de la programmation officielle de l'année. Cette année 2012, la Fête de la Nature met les oiseaux à l'honneur. C'est pour moi ici l'occasion de rendre hommage à tous les bénévoles de la CEOR Réunion à travers cette vidéo amateur pour tous leurs efforts consentis à sauver le pétrel de Barreau pour un développement durable de la planète. Alors madame, vous pourriez me dire qu'est-ce que vous êtes venue faire cet après-midi? Parce que moi je croyais que c'était des cartons que vous allez jeter à la mer, mais finalement on dirait que c'est une bonne cause. Oui, je suis bénévole à la CEOR, la société réunionnaise d'ornithologie, et c'est la pleine saison des pétrels de Barreau que nous relâchons. Donc je suis venue relâcher de jeunes pétrels de Barreau qui descendent depuis ton aile et qui partent. Parce que c'est des oiseaux qui volent la nuit. Donc c'est des oiseaux qui ont été pêchés pendant la journée par des gens. C'est-à-dire que non, ils sont sortis du nid la nuit et ont été arrêtés par les éclairages urbains. Donc ils vont tomber sur les stades, dans les rues, et les gens les récupèrent, les amènent chez les pompiers ou la gendarmerie, et nous, bénévoles de la CEOR, on vient les baguer. D'accord. Et vous faites ça tout le temps, par mois, vous avez quand même une... C'est-à-dire qu'il y a des pics d'envol, et en ce moment, le pic d'envol, c'est pour les pétrels de Barreau. Mais toute l'année, on sauve des oiseaux. D'accord. Regardez. Voilà, et ça fait chose combien de qu'il ne faut jamais faire. Vous voyez, les pompiers les mettent par deux. D'accord. Et quand on les met par deux, ils sont tout dingues. Ils pincent, ils pincent. D'accord. Non, non, on se calme. Calme. D'accord. Comme il est beau. Eh ben oui, hein, ça se voit. Très, très beaux oiseaux, pas de palmées. Donc c'est un oiseau endémique de la Réunion. Endémique de la Réunion, un oiseau marin. Quel âge il a à peu près là? Là, il est tout jeune, la première fois qu'il sort du nid. D'accord. Ah bon, il n'a jamais volé, il n'est jamais allé en mer. C'est une grande première pour lui. Oh là là, d'accord. Ce qui explique. Oh, mais il pince beaucoup, il est très énervé. Il est stressé. Ouais. Peut-être. Hein. Bon, on va regarder ça. Dans un autre cas. Vous allez envoyer les deux là, c'est bon? Oui, tous, il y en a dans chaque cas. Voilà, ah ben oui, moi ça m'a fait peur. Ça, j'ai vu tout à l'heure une dame jeter des trucs à la mer, ça me fait réagir. Alors, là quand je vois, je dis non, c'est pas possible. Ouais, je dis là c'est pas possible. Thank you.
féliciter encore une fois. Merci pour ce que vous faites pour la nature. Et lorsque je verrai Pétrel de Barreau quelque part, on pensera à vous. Alors, vous savez que c'est une espèce endémique, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'à La Réunion et en grand danger. Ce qui explique qu'on se mobilise énormément pour la cause. Donc à rappeler aux gens que s'ils se trouvent, ne pas oublier de... De les mettre dans un carton, de ne surtout pas leur donner à manger et de les déposer soit à la gendarmerie, soit chez les pompiers, soit chez le vétérinaire le plus proche. D'accord.